Ce qu'on vient de dire, Steve, au milieu de terrain, car je crois que c'est l'ensemble de l'équipe, vous, de l'intérieur, vous qui êtes l'un des poumons aujourd'hui dans ce match, comment vous l'avez senti, comment vous l'avez vécu? Bonsoir à tous déjà. Bien, c'est vrai qu'on a eu une belle entame de match, le bloc était bien en place et on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose ce soir, donc on se le dit à mi-temps et on a bien réalisé en deuxième, donc non, il faut fixer le collectif ce soir. Ouais, on a pas une grosse partie. Puis, bah, quoi, voilà, je crois qu'on peut les applaudir. J'aimerais une dernière question. Je tiens à remercier tous les amis qui sont là. Je vois le président du Stade Brestois qui est attentif. On lui souhaite la bienvenue à Lorient, hein, ville à 5 heures. On est Yassi, si en début de saison, déjà vous avez dit, on va gagner à Marseille. C'est un peu rêvé. Le football, c'est une part de rêve par moment. Et non seulement on n'a pas complètement rêvé, hein, comme le diraient les enfants qui sont là, match retour, avec quoi? Non mais c'est tout la beauté de ce sport, il n'y a pas de vérité dans le football, tout le monde peut battre tout le monde. À la preuve, le petit a mangé le gros ce soir. Donc, c'est comme je vous le dis, on voit Paris qui a des difficultés. Nous, on ne tombe pas trop mal. Donc, c'est un sport qui. C'est ce qui fait toute la beauté de ce sport. Donc, voilà, nous, on a gagné ce match. On est très ravis. On va savourer ce soir. Et puis, il va falloir se remettre au milieu de lundi pour affronter l'ensemble. Voilà, avant de les lâcher, d'aller s'amuser avec vous et tous leurs amis et toute leur famille, Yassine, vous étiez en famille tout à l'heure, je dirais que le merlou se porte bien. La bouillabaisse est peut-être un peu moins bien ce soir du côté de Marseille, car hein, avec toutes les chaînes de télé qui s'emparaient des joueurs tout à l'heure, notamment la présence en plus de Canal+, la chaîne par excellence du football, c'était un grand moment. Mais maintenant, demain on travaille, c'est vous qui l'avez dit, on va avoir des super matchs à l'extérieur et à Lorient. On a 40 points et on fait encore un peu. Ouais, c'est clair qu'il ne faut pas lâcher, il y a encore des points à prendre, mathématiquement c'est rien à acquis encore. Donc bon, il n'y a plus grand chose, mais il faut un dernier coup de collier pour obtenir ce match le plus rapidement possible. Et on est fiers d'être l'Orientais, on est fiers, hein, je vois le président du conseil général qui est là également, M. Carguillet, je vois M. Maurice, l'ancien président, tout le monde, tout ce que j'ai vu, le football c'est la fête, la fête c'est le football, applaudissements, et bien lui, l'Orient, tous ensemble. Steve, quand on parle des matchs à venir, Oui, ben, il y a Nancy la semaine prochaine, ce serait bien de ramener quelque chose de déplaçant, et puis surtout de remplacer, je crois qu'il reste encore que des gros matchs à la maison, ça serait bien de finir en beauté. Il reste Monaco, il reste Saint-Étienne. Mais si, c'est vrai que le match gala, je dirais, mais ça serait bien qu'on ait assuré notre maintien avant pour faire de bonnes têtes ici. Tout à fait. Merci, messieurs. Excusez-moi d'avoir pris un peu de votre temps. Je crois qu'une fois encore, on peut les applaudir très, très fort. Merci. Yassine Destienne, il reste pêché. On les appelle par leur prénom quand ils sont aimables. Mais surtout professionnels. Merci, les enfants. C'est ton garçon, ça, Yassine. Il s'appelle comment? Case. Bonjour Case, c'est Didier. Voilà Case. Allez. Yeah.